YouTube, bonjour et bienvenue en ce nouvel épisode avec un mordu dehors qui est paumé avec Fufu. Et on va essayer de voir pour explorer un petit peu et level up nos Pokémon. Et puis ce sera probablement tout pour l'épisode, je ne sais pas trop. Oh, Pikachu. Ah, une semaine. Recharge. Oh non! Tum 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 tum. Hop là! On est good. C'est pas qu'un seul Rénis, il provoque des gigantesques orages. C'est depuis quelle génération que les Pikachu femelles ont la queue en forme de cœur, hein. C'est quoi ça aussi? Depuis la première, je pense. Non, impossible. C'est sûr que non. C'est sûr et certain. Quoi, qui est paumé là, qui est perdu. Ah, mais c'était ouais. Un petit Floravol. Non, pas Floravol, Flabébé. Fin d'épisode ici, il y a combien de Pokémon on se trouve dans Pokédex. Je pense qu'on aura bien avancé. On est tombé, il cherche un endroit où pousser les fleurs du même blanc que la sienne, afin de dormir dessus. Il pourrait être planqué, j'imagine. Logique, ça se tient, ça se tient. 145. Oh, okay. Petit psycho quoi qui dort. Oui. J'ai réussi à le battre. Ton niveau 160 là. Ouais. Ah. T'avais pas capturé tout à l'heure. Oh, t'es terrifiant quoi, tu ouvres la bouche. Ah. C'est quoi qui dépop. En tout cas, c'est cool la paralysie qui fait absolument rien, qui change rien du tout à mes attaques. Comme là. C'est cool. Là, un petit calocroc dans la poche. On est good. Dans les branches que les calocrocs sont en train de mordre pour voir lequel restera accroché le plus longtemps. D'accord. Une anecdote donc sur les gens de Paldea, et pas du tout sur le Pokémon. On est good. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir là-bas? Oui. Oui, oui, ça brille. Le chou, un dresseur. Des fraises. C'est la même que moi? Oui. Et le boss, c'est moi. C'est pas toi. Simon, il a 30 ans lui déjà. Voilà, tête d'ampoule. Qu'est-ce que c'est que ça? Une ampoule tétarte. Tête ampoule. Ok. Trop charge. Ouais, ça fera l'affaire. Ah oui, c'est eau électrique, j'imagine. Ça se tient. Ça se tient, ça se tient.
Est-ce que tu sais me dire combien il y a de nouveaux Pokémon dans cette génération? Je peux essayer. Pourquoi je pose cette question, Michel? C'est que quelle est la réflexion derrière? Tu es en train de me dire, j'ai l'impression qu'on croise quand même très peu de nouveaux Pokémon. Granivol, Pikachu, Picoquack, la majorité c'est des anciens qu'on connaît tous déjà. D'anciennes générations. C'est pour ça que je me pose cette question. Mais bon. Il y en a 103. Ouais, donc ça fait même pas un quart vu qu'on est déjà à 400 Pokémon possibles dans le Pokédex. Ah, ça tient. Donc ouais, ça fait un quart. Ouais. C'est un peu juste, je trouve. Et dans l'épée bouclier, tu sais combien il y en avait de nouveau ou pas? Je vais chercher. Oula. 96. Ah ouais, encore moins, ok. Ok. Hop là. Dans les airs grâce à l'électricité emmagasinée dans son corps. Les jours d'orage, il lévite un peu plus haut qu'à l'accoutumée. Il est mimi celui-là. Électétard. Ah non, il est électrique seulement, mais j'imagine qu'il devient haut électrique. 170. Calme-toi, psychocoque. Tout va bien. On va l'échanger avec Ribourègne. Je suis curieux de savoir en quoi il évolue ce truc-là. Hop là. C'est parti. Ok, absolument rien ici. Il y a peu de Pokémon, hein. Vraiment. La chasse au Shiny, elle doit pas être amusante dans cet opus. Si, ça se fait. C'est quand il y a des ordres. Ouais. Oh là là, la cascade. C'est terrible pour les FPS. Oh! Ah mais je suis déjà passé ici. Je suis complètement déjà passé ici. Ah bah lui. T'as trouvé quelque chose de sympathique, toi, on dirait. Ouais. Oh. Faut pas sauter au-dessus des Pokémon. Je vais le capturer, je pense que tu le verras dans le... C'est possible. Hop là, capturé. Pas d'infos pour l'instant. Ça va arriver bientôt. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce panneau, hormis qu'il y a un mordu d'or dessus. Rien. Persevaro, c'est tout. Oh mon salaud. T'as le droit à un Riolu, toi. Riolu. Mais ça saute, ça, t'es sûr? Ouais, bah je l'ai fait, hein. Ok. Ah ouais, effectivement. C'est marrant ça. Intéressant. Écoutez, on est parti pour une nouvelle zone. Numéro 4, zone sud numéro 4. Eau fraîche. 30 PV. Toi, je te connais déjà. Un soda cool. Il sent bon là, c'est un seul lourdeau. Viens là, toi. Ton Pokémon le plus fort, il est niveau combien? Bon, 19, je pense. Ouais. Au connaître. Eh, j'ai une chance sur deux d'avoir un mâle, j'ai que des femelles. Dommage, ça, quand même. Bah ouais. Et bien ce lourdeau. On va faire un coup de morsure. Je vais prendre ça à le capturer. Aïe.
C'est quoi? Acheter une Pokéball. On verra bien. J'aurais même pu le faire le coup d'avant, mais bon. Oh là là. Notre modèle, le perso qui a même pas affiché. Terrifiant. Entrave. Non. C'est chiant. Il fait en creusant un trou à l'aide de sa queue, s'il est repéré. Ça va lui permettre de l'éviter pendant quelques instants. Oh bah ouais, très peu je pense. Donc très court instant là. Attends, coup critique. 188. Oh! Attends. Toi, t'as l'air fâché. C'est 18, c'est brésilien à ma tour. Lui, il est fâché. Hein. Je pense qu'il va, il va être trop fort, oui, mais bon. Moi, j'ai pu le faire à coup de super potion. Ah ouais, à ce point-là. Déjà, comment je peux target déjà? Je me rappelle plus. Zadel. Niveau 32, je pourrais jamais l'attraper, de toute façon. On va terre cristalliser. Magique. Aïe aïe aïe, ah ça va probablement être le premier combat compliqué. Ouais, et il est plus fort que le champion hein. Non ouais, ça m'étonne pas. Ah ouais, en plus il mousse speed déjà donc ça va être super. Ouais, il est chaud. Déjà, j'ai même pas son. Ah si. C'est-à-dire, j'ai même pas sa barre de vie. Ouais. Putain, mais. Je fais que de confus! Oh le relou! Je te dis, hein, ça a été mon premier vrai combat. Hein. Oh, ça va être si long. Oh. Il est quoi gros Ray en plus le psy? Ouais je crois qu'il est que psy. Ah je suis mort. Ouais. Oh je peux rien. Je vais faire. Ça sert à rien. Je peux même pas le capturer. C'est pour l'avoir alors que mes 5 premiers Pokémon sont morts. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Un petit Vivaldin. Oh, un deuxième Riolu. Ah bâtard. Je vais pas le prendre. Hein. Comment je peux faire un auto-soin? T'appuies sur moins quand t'es dans ton menu. Oh, un troisième. Ouais, c'est bon. Allez. Ouais. Mais là t'es dans ta boîte PC. Ah putain. Tu fais juste X une fois. Et tu sélectionnes le Pokémon, tu fais moins. Mais faut pas qu'il soit KO. Ah super. Et ça soigne pas les problèmes de statut. Ouais bon ok, ça m'a saoulé. Ça sert à rien du coup, aucun intérêt. C'est autant c'est, le faire c'est, en vrai, ça va, c'est pratique. Ouais. Parce que tu peux spam moins, ça soigne tout le monde rapidement. Ouais. On va le mettre. On va juste le déposer ici. J'ai pas un autre Pokémon de type feu là-dedans. Putain, il va faire jour, je suis dégoûté. J'ai vraiment qu'un seul Pokémon de type feu. Oh, ça m'arrange pas. Ah bon, écoutez, on va. Insecte peut-être. Qui s'emboule.
qui s'emboule et il va être facile. Krixik, level 9. Qu'est-ce que j'ai d'autre sinon? Rien d'autre. Flabébé, level 10. J'ai pas d'attaque. Oh là là. Bon bah écoute, on va y aller avec un seul lourdeau, vraiment. Non, il n'y a pas de. On va mettre dans poule ici, histoire de le level, de le. Filer un peu de XP. On va y aller avec Tissamboule. Mais. What? Je où je suis là. Mais. Mais non, mais non, mais non! Reviens ici! Oh putain! Oh! Du coup, j'ai plus de vie déjà. Bah ouais, putain. Nul! Nul qui s'emboule! S'il te plaît, sois un mal, c'est ma dernière chance. Oh! Stop, merci. Ok. Bon, on va essayer de se healer un coup. Avec un peu de chance, il fera pas une attaque offensive. Parfait. On va refaire un survivant insecte et après on attaque. Aïe aïe. Allez, on tank, on tank, on tank, on tank, on tank. Aïe aïe. C'est bon, ça suffit. Oh. Ça suffit! Merci. Allez. Sur un sexe. De quoi? Bon, vas-y. Je suis saoulé. Ok, bon. Ah! C'est la première fois depuis le début du jeu qu'un Pokémon sort de sa Pokéball. Après, il est au niveau. Enfin. Oui, mais bon. Il a fallu attendre qu'un Pokémon soit deux fois plus haut niveau que moi que pour ça. Après, 5 ou 6 heures de jeu quand même. Oh le relou. Oh le relou! J'ai pas le choix que de spammer. Ah non, tu l'as déjà fait Vampirène, réfléchis. Oh là là. Oh le combat de débile. Vampirène alors qu'il l'a déjà mis une fois. Et après moi j'ai raté mon attaque. Eh ben, on va aller loin. Putain, mais il suffit que j'ai de ça là. Oh l'enfant. Bah ouais, c'est normal. Bon allez, saoulé. On change. Si s'emboule, il va pas récupérer d'XP s'il meurt, ça va être chiant. Bon, il m'a roté dessus, Vivaldin, ou quoi? Il m'a lâché un giga burp là. Allez. Aïe. Aïe. Petit crochet venin là. Tac. C'est mal malin, là, hein. Allez. On en parle plus, merci. On va aller faire un tour au sein de Pokémon, nous. Malgré son apparence charmante, il s'attire l'antipathie des agriculteurs à cause de son goût pour les bourgeons. Oh, c'est marrant, ça. On va faire un petit tour. Je me trompe toujours de touche. Hein. Décidément, j'y arriverai pas avec les touches. Oh, attendez. Il y a beaucoup de choses autour de moi qui m'intéressent. On va. Oh putain. Ah, on a pas la barre de vie vraiment. Oh.
On n'a pas la barre de vie dans le dans l'inventaire. Oh putain. Attendez, qui est quoi du coup là? Les psychoquacs tarsal qui sont full vie, c'est tout. Oh ça c'est chiant par contre. Oh, qu'est-ce qu'il fait là lui? Qui quoi? Bah, j'ai plus son nom. Oh, Toxizap. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Ils sont... Les Pokémon sont vraiment trop petits par contre, on voit rien. On les voit pas du tout dans les hautes herbes. Fin de tir. Aïe. Oh non. J'ai l'impression que... Toxizap dans... De quoi? Tu l'avais Toxizap oui, c'est ça, dans l'épée bouclier. Je sais plus trop, je t'avoue. Son évolution, peut-être bien, ouais, c'est possible. Oui, bah oui. Putain, y'a plus de cornèbres, je t'écoutais. Flatterie, c'est pété au mur, ça, je crois. Oui. Mais d'un autre côté... Pff, on va virer Griff. Si on veut faire m'amuser avec Flatterie pour faire chier. Je sais pas trop, on verra. Moi, je cherche Riolu, là. Riolu. Pas comme un égoïste. Eh ben, attention, son corps contient deux poches qui permettent d'emmagasiner du poison et de l'électricité. Très bien. 198. Il est où le petit Riolu là? Oh, c'est pareil, s'il fait 3 cm, je vais avoir du mal à le voir. Non, non, tu vois bien. Mais il était plus dans les hauteurs. Dans les hauteurs? Dans les hauteurs, ouais. Les hauteurs? Il était un peu aux hauteurs. Les hauteurs? Alors, ouais. Mais les hauteurs côté. Ouais. Est? Que ah fuck. Alors vraiment les touches. Déjà y a pas de touche pour reset l'orientation de la cam. Ça je trouve ça dommage. Mais encore. Et ensuite je trouve que le target il est horrible. Genre vraiment. Marche pas. Impossible. Oh, c'est trop. Je suis sur ZL. Non, j'ai plus sur L. Non, bah c'est ZL qu'il faut. Bah. Sur le target. Ok. J'ai essayé ZL, mais ça sert à rien non plus. Oh là là, Tarsal va falloir se sortir du cul ou normalement, hein? Bon. Ciao. Bon, on va faire toute la team EKO là. On reviendra. On reviendra! Là, on se fait laver là. Est-ce qu'on peut aller? On a pas le choix. On va aller là plutôt. Hop là. Là, ça me gonfle. Les touches me saoulent. J'y arrive pas. Déjà, s'accroupir avec B, pardon. Pourquoi? C'est. Ah, vraiment, les. Non, toujours pas. Ah, les touches, j'y arrive vraiment pas. Ok, bon. On va virer Tarsal. J'en ai marre. Dans Matourjon, c'est pareil, il est suffisamment au niveau pour l'instant. Brunetissamboule, blablabla. Vivaldin, il est niveau 18, c'est pas mal ça. Double pli et jet de sable, il est pas mal ce Vivaldin. Bon, on va retourner. Je crois qu'on a toujours pas d'Apitrini.
Ça va, Myriadon, t'avances quand tu veux, hein, par contre. Genre... Allô ? Waouh. Pourquoi il est... Ah, c'est le fait qu'on est le FOV au max, ça donne l'impression de... pas avancer. Super. Alors, retournez de l'autre côté. Azumari, Psycho Quack. J'ai presque envie de dire que ça me fait mal au crâne, les ramages. À ce point. En tout cas, ça me procure vraiment une... un inconfort très fort. Ça me fait pas mal au crâne. Mais ça me fait vraiment travailler les yeux beaucoup plus que si c'était fluide. Je trouve ça vraiment désagréable. Et physiquement. Même pas juste en termes de confort de jeu, c'est... En pur confort tout court, je trouve ça très désagréable. En même temps, c'est tellement pas fluide. C'est terrifiant, quoi. Oh! Vous voyez, je vous dis que les Pokémon ils étaient trop petits. J'ai roulé sur Pachirizu sans faire exprès. Bon. On l'a pas capturé d'ailleurs, Pachirizu. On va récupérer. Je sais même pas où je suis là. Perdu. Ah oui, je me suis égaré. Perdu là, Pampa. Comment ça? Non, ça, je fais zéro dommage avec avec Morsure. Wow. Mais quoi? Ouh, vache. Je fais un PV par un PV, c'est terrifiant. Je pas ça. Mais il a quoi comme défense, lui? Wouah. J'en sais rien, pas cher une équipe électrique en plus. Oui, Vivaldin. Choqué. Putain, Pachirizu le tank. Les barres de vide des pop des fois ici, je comprends pas pourquoi. Une évolution. Okay, on va essayer comme ça. Ah bah Chérizou là, il aura tanké, hein. Ah ouais, carrément, ok. Ah, il veut pas, hein. Ah, il veut vraiment pas lui. Écoute, on va essayer comme ça. De toute façon, le prochain vampire, tu vas morfler, donc. Alors, t'as pas le choix de venir avec moi. C'est bien, t'as compris. Vous voyez, la Pokéball qu'il y a derrière, elle est trois fois plus grosse que celle que je lance. Bah, je suis désolé, mais celle que je lance, elle est trois fois trop petite pour moi. De par chez les os, se frottent les joues pour partager l'électricité qu'ils ont accumulée. Résumé de pas chez les os, là, parce que...
Ça faut que je te le montre. Comment ça, j'ai pas sa vie? Ah putain, ouais, ton pachy résu, il a une hausse de défense. C'est un tank en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Tiens. Ah, PV 51, ok. Putain. Oh, il est fâché lui. Hein. Putain, t'es où, 200. Je suis au bord de la rivière, je vais remonter vers l'ouest. Ah, je te vois. Oh, toi, viens ici! Oh, t'es moche. Waouh, il est chum le Riolu dans le jeu. Mais non. Si, je trouve qu'il a des yeux bizarres. Hein. C'est un problème avec les yeux ou pas? Ouais, bah, visiblement, oui. Hein, et... bah, il a une tête un peu quécho constamment. Oh, Je sais pas. Bon, bah, écoutez, on va lancer. Ah, ouais, carrément, toi, t'as déjà des donfants. Mais il évolue tôt, je savais pas, mais. T'as vu comment il roule? Hop là, dans les poches. Et le Vivaldin à côté de moi, c'est le tien ou aussi? Non, c'est un random. Sauvage. Ok. Il passe devant ma cam d'ailleurs. Oh putain, ouais. Non, on va via ça. C'est de la faculté unique de visualiser les émotions telles que la joie ou la colère sous forme d'onde. Hop là, Kiriolu. 163. C'est marrant comment il suit. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Oh la vache. Ça c'est des champignons de Shenryu. C'est lutin. Morsure, même si à mon avis il va se péter les dents. Oh là là. Un gribou règne, par contre j'ai l'impression qu'il se fait violer, genre vraiment. Avec quoi on va jouer face à lui là, j'en sais rien, Vivaldin, ouais. Level combien ton vieux bourrin? 18. Ouais hein. Pourtant. Il devrait pouvoir tanker mais même pas. On te voit dans le fond là-bas avec ta moto. Tout en haut de l'écran monsieur l'homme. Ouais, mais bientôt tu me verras plus. Bah non je te vois plus, ça y est. Deux fois ça suffira Vivaldin. Deux fois ça suffira on a dit. Ah non, 3 peut-être, grand max, tu t'arrêtes là. Au revoir c'est lutin, merci d'avoir d'être passé. On pensera à toi. Non, c'est faux. Bon bah rip c'est lutin. Non. En fait le premier bouton marche pas, donc moi je tente le deuxième. Sauf que le premier bouton il est pas effectif pendant le saut. Tout va bien. On se calme. Ah, il y en avait deux de ces lutins, hein. Il est passé où le deuxième? Ah putain, je peux pas tomber. On va aller voir là-bas. Voilà, mais là-bas ça mène dans le désert. Je vais finir 6 pieds dans le désert. 6 pieds sous terre dans le désert. Là, c'est peut-être en poule, hein. Et... une petite fille perdue là dans le coin. Bonjour. Là. Et t'ampoule. Oh, taper avec Balgrain, ça ira très bien. J'aimerais bien avoir une petite évolution avant la fin de l'épisode, ce serait cool. Bien vu, Valda. Taki comme Pokémon. Vivaldin 19, Gribouille pareil. Vivaldin 18, pardon.
Ouais, bah, je crois que tu peux oublier Gréboren et Vivaldin. Ah ouais? Ouais. Dommage. Pour le moment. Oh non. Oh oui, oui, Vivaldin, c'est bien! Oh, c'est un bon Vivaldin, ça. J'avais pas envie qu'il le laisse à 2 PV. Waouh! Juste 60 pièces de mordu d'or. What? Bah, en fait, quand tu les tues ou tu les captures, ils te donnent des pièces. Ok. Et bah, là, j'ai mis 60. Bah, GG, mec. Non. T'as son meilleur pro, lui. Oh. C'est pas mec ça hein. Météore. Ah oh ouais carrément. Aïe aïe aïe. Ah mais c'est que je le tuerai pas. Donc on va devoir utiliser autre chose. Utiliser un seul à coup. Démolos. Sauvage ? Ouais. Ah ouais ? Oh, on est level 24, ça va. Oh oui, en plus. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, quand tu target, tu vois le niveau. Ça, c'est un peu intéressant, ouais. Je trouve. Hop là, il est mort. Regard touchant, oh. Ça sera, m'empêchera pas de te mettre les gros sabots dans ta gueule. Allez. On en parle plus. Allez, finis-le. Oh, Vivaldin! Tu m'habitues à mieux! Voilà. Ce serait marrant qu'il remette le deuxième coup dans le vide, ou en tout cas sur le corps d'Evoli. Putain, allez! Bon! Bonne chose de faite. Et plus aucun point faible pourtant. Si, si. Okay. Tu es un point faible à toi tout seul, donc. Un étourmi. Oh, il y a un Cacnea. Bon, d'un dresseur, mais. Oh putain. J'arriverai pas à target, hein, vraiment. C'est vraiment de la merde. ZL. Juste, t'appuies, tu laisses appuyer sur ZL. Ah ouais, mais. Faut choisir le bon, mais il veut pas comprendre lequel. Lequel choisir et lequel target du coup. Petit malos que j'avais toujours pas. Tu forces avec la caméra. Bah ouais mais même en bougeant la caméra il veut pas. Non bah après là tu fais pas d'effort. Ouais, c'est le jeu aussi. Oh, oh, on te demande pas de sauter avec Tab là, juste t'appuies sur sa dalle. Chien. justement ce serait plus facile de sauter avec Tab hein. Un furiglon. Oh, le clipping de l'ombre, il est beau celui-là aussi. Là où je suis sûr qu'il y a plein de Pokémon qui te plairaient. Furéglon, je trouve son nom est vraiment dégueulasse pour le coup. Ça fait vraiment penser à Furoncle. Ouais, mais non, c'est un aigle. Ouais. Ok. Il y a Furéglon, il y a Tilton, il y a. C'est Malos là. Quand il communique avec ses semblables, il ne pose pas les mêmes cris quand il poursuit une proie. Oui, c'est normal, ça ne choque pas trop. Jusque-là. Ouais, j'avoue. Jusque-là, ça va. 25. Alors, attends. On va changer, on va mettre. 600 boules en premier. Sauf que 600 boules, il va se faire péter la gueule. On va. Ah, ça y est, je commence à en avoir trop des Pokémon là. Riolu, c'est avec du bonheur, non? Ouais. Ouais. Bonheur et. Deux jours. Un autre... J'ai même plus peur du Colossinge. Level 30. Je le fume.
19. Ouais, il va me le péter, Tissamboul. Non, c'est Coca qui va y prendre cher aussi. J'en sais rien, moi. On va le mettre avec Brasillon. Oh, pff. Les box sont à chier. Cabriolen. Allez, viens par là. Coup, pardon. Avec la Vita, tu ressors vraiment. Une évolution. Allez, viens là. Je peux faire ça. Ok. Un de plus. Ces feuilles lui permettent de générer de l'énergie à partir du soleil et de l'eau, et ainsi de survivre dans les montagnes où la nourriture est rare. Bien. 221. Et puis, on va commencer à manquer de Pokémon en état de combattre. Ouais, non, ça va. Ouais, je suis à deux doigts de rouler sur tout plein de trucs. Les tout petits Pokémon, on les voit vraiment pas, c'est trop, ils sont vraiment trop petits. Il y a vraiment un problème d'échelle dans le jeu. Oh, pas Chirizo. Faut lui rouler dessus aussi. Oh, un Aiden. Il vaut combien? Et là, il veut pas target, hein. 34, ouais, c'est un peu trop. Un peu trop. Trésor, qu'est-ce que t'as trouvé, un trésor? T'as trouvé la défaite? Je reconnais. Philippe, il a l'air vachement fâché. Tout tombe. Creepy, ton Pokémon. Très creepy. Allez, on va terra cristalliser et on va faire charge. C'est un peu ridicule. On va faire charge. Non, une nitro charge, pardon. Ah, ok. Ce qui est très nul d'ailleurs. Mais ouais, le. Alors, chapeau là, ouais, je trouve ça. Oh, vraiment! T'as quel âge? Quel âge pour traîner de force au combat, un pauvre Pokémon? Non, mais. On est où là? Un peu de respect! On bat quoi? Toc! Prends ça! Oh putain! Oh le relou en soirée! Il veut jouer Game Boy. Non. Tu vas pas le jouer, je te le dis. Ouais, je vais sortir tout le monde, comme ça tout le monde va prendre un peu de d'XP. Ouais, ça m'arrange en fait, hein. Aïe. Il va mourir. On va le rechanger. Vas-y, Lyon. Chiant, lui, dis donc, hein. Ah, le combat relou, quoi. Allez, chier. Brûle. Brûle en enfer. Allez. Brûle. Brûle en enfer. Ça suffit, on en a marre maintenant. Tu n'amuses personne. Du balai.
Voilà. Bon. Arrête, tu es ridicule. Ouais, tu m'as un peu voir en plus. Super. Oh là là. Oh là, il se passe un truc chaud là avec la météo. Oh là là. Oh, qu'est-ce qui se passe? On va échanger. Mais c'est pareil, je peux pas voir les PV de Vivaldin. Ah si, 16. Ah putain. Ok. Il suffit de regarder sur le haut du... C'est galère, hein. C'est vachement pas pratique pour regarder entre le niveau, le... Les PV. C'est vraiment pas pratique. Le problème c'est ça, c'est tous ceux que je capture ils sont en low HP. On va aller healer un petit coup. Non. Son auto. Ouais, ça va, c'est pas trop mal, c'est plutôt pratique en vrai. Ouais, elle est bizarre la météo. Ouais, elle est chelou, on est d'accord. De toute façon, on est en mars ou... Ouais, espèce de truc bizarre. Salutations, je reprends vos alliés de Pokémon. Je sens que les combats, ça vous connaît. Personne à 25 dresseurs ici dans la zone sud numéro 4, vous aurez droit à une expansion de récompense. Deux dresseurs dans la zone sud 4. Vous aurez droit à une expansion de récompense. D'accord. Super. On va chercher Mordu d'or là-haut. Et puis, on va s'atterrir, je pense. On aura un peu XP, mais ouais, on n'aura pas fait grand-chose dans l'épisode. On aura level up nos Pokémon. Mais la météo, je peux comprendre pas ce qui se passe là. Il pleut, mais il n'y a pas de nuages. Enfin, il fait jour. Bizarre. Bizarre l'ambiance. Toi là. Tu crois que je t'entends pas depuis tout à l'heure? Une trop chère. Oh, ça va être long. Allez, chais. Brûle en enfer. Allez. Ah, merci. Ah, effectivement, quand tu butes un mordu d'or, c'est 60 pièces en plus. C'est pas mal. Pas mal. Toi là, que j'ai pas réussi à capturer tout à l'heure. C'est la vie le plus possible. Holy Rush. On va augmenter tous les deux notre vitesse en même temps, ça va être super. Allez, raté. J'ai. Essaye. Aïe, ça fait mal par contre. On va essayer avec une Super Ball. Voir si c'est un peu plus efficace. Oui, c'est efficace. Très bien. Bon. Mais même la lumière, elle est chelou là. Ah non, c'est parce qu'on était dans l'ombre, ok. Son corps s'effrite au contact du sol et laisse du sel dans son sillage, mais comme son organisme en produit constamment, il se régénère sans mal. Ah, c'est pour ça qu'il s'appelle Célutin. Pourquoi il est couvert de terre, du coup. Bref. Bon bah sur ce, YouTube, on aura fait le tour de cette petite zone, même s'il nous manque de dresseurs à voir. Ah, j'aurais bien aimé le trouver plus tôt, lui, le bougre, là. Ça m'aurait donné une quête pour aujourd'hui. Et du coup, essayer de trouver tous les dresseurs de la zone numéro 4. Et là, c'est un peu tard. Donc,
Donc c'est dead. Mais ouais. J'ai cru de savoir ce qu'il va nous donner. Bon, ça va être un truc éclaté, je le sens. Mais bon. On verra la prochaine fois. Il y en a un là, par exemple. Mais on fera la prochaine fois, justement. Oh. Un Fampi. Oh non, j'ai pas changé mon Pokémon. Ouais, on va changer. Et on va envoyer Psycho, quoi. Ne mets pas KO. On te connaît. Hein. Maintenant, ça va, j'y pense. Oh là, c'est bon, calme-toi. Il y aura quoi. Regarde, parfait. Tout est calculé. T'as quand même fait une Asako. Bah ouais, justement, c'est pour pouvoir en faire qu'une. Ouais. Bah ouais, bien sûr. Et hop, fini dans mes poches. Et voilà. Allez, sur ce YouTube. Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve bientôt pour la semaine d'aventure. Beaucoup plus fort qu'il n'y paraît, il peut casser le bras d'une personne d'un simple mouvement de trompe. Super, bonne ambiance. Allez YouTube, des bisous et à la prochaine. Et du calme le Pokémon.